Jusqu'à la fin de l'année, ça va faire 4 ou 5 enseignements, je pense. It will be a total of 4 or 5 teachings. Je vais vous expliquer l'importance de bâtir des hôtels en fin d'année. The importance of building hotels in the end of years. Dis avec moi l'importance de bâtir des hôtels. Say with me the importance of building or erecting hotels. Aujourd'hui, je vais aller sur l'importance et progressivement, je vais vous expliquer comment le faire. I'll talk about it and step by step I'll explain to you how to do it. Et on va toucher à toutes les dimensions qui te permettront d'avoir les arguments pour rendre ce message inattaquable. And I give you all the details that will make this unchallengeable. Dites-moi amen. Jean chapitre 8, John chapter 8, verset 39. Verse 39. À 3 on y va. 1 2 3. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, il parle aux Juifs, vous feriez les œuvres d'Abraham. If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Dis avec moi, faire les œuvres d'Abraham. So we may do the works of Abraham. Qui recommande cela? C'est Jésus-Christ en personne. Jesus Christ is the one recommended it in flesh. Si vous étiez enfant d'Abraham, if you were Abraham's children, vous feriez you would do les œuvres the works d'Abraham. Of Abraham. Donnez-moi Malachi chapitre 3, Malachi 3, verset 7. Verse 7. On y va au compte de 3, 1, 2 et 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. If you are Abraham's son, you will do the works of Abraham. Dites amen si tu dis amen si tu es d'accord avec moi. Amen. If you agree. Vous savez, les hôtels, le message sur les hôtels, you know, messages on altars, est lié au message du trône is linked to the messages of the throne, et au message sur les alliances. And to the message of covenant. On ne parle pas d'hôtel sans parler de faire alliance. We don't talk about altar without mentioning covenant. Et on ne parle pas des hôtels sans penser au trône. We don't talk about the covenant without thinking of donc the throne. C'est un message qui ne convient qu'aux personnes qui veulent régner. It is a message. Dites amen à cela. It is a message appropriate to the one who wants to reign. C'est un message qui ne convient qu'aux personnes qui veulent expérimenter Dieu, mais dans une dimension de domination, dans une dimension royale. It is appropriate to the one who want to have a royal position and dominion. Tu peux être fécond sans dominer. You cannot be fruitful without dominion. Tu peux multiplier sans dominer. You cannot multiply without dominion. Tu peux remplir sans dominer. You can fill without dominion. Tu peux assujettir sans dominer. You can subject without dominion. Le cinquième mandat, c'est dominer. Mais is tu ne peux dominion, pas dominer but you cannot rule or dominate sans ces règles et ce principe. Without the rules and the principles. Claque des doigts 3 fois, dit le principe des hôtels. Snap your finger and say the principle of altars. Je pense que dans cette génération, Dieu m'établit comme un dispensateur sur le message des hôtels dans notre nation. I think that God is establishing me as the dispenser of the notion of altar in this nation. Et je l'assume avec joie. And I assume it with joy. Parce que c'est un mandat divin. Because it is a divine mandate. Écoutez. Listen. Dans les Écritures. In the Scriptures. Et dans toutes les églises. And in all churches. Vous avez les leaders et les pasteurs qui font un choix. You have leaders and pastors who make a choice. Apocalypse 5:10, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Revelation says, make of us a kingdom of priests. Il y en a qui ont décidé d'enseigner
à leur église que la dimension de la sacrificature. Some have decided to teach only the notion of a priesthood. Ceux-ci n'enseigneront que la destruction des œuvres mortes de la chair. They will only teach the destruction of dead things. La sanctification, flesh, sanctification, la consécration, consecration, quoi encore? What else? La vie éternelle, everlasting life. La Bible dit que ce sont des fondations des Écritures. Mais quand on lit Salomon, but when we read Solomon, on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin que les fondations. We notice that we have to go further than the foundations. Oui, parce que Dieu ne nous a pas créés que pour être dans des fondations. C'est enterré les fondations, on ne les voit pas. God did not create us just to mention the foundations. Il nous a créés pour ériger des murs sur des fondations. He has created us to erect walls on foundations. Et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui a un regard. Comment je veux dire ça? Les païens nous regardent parfois d'une manière pitoyable. And sometimes unbelievers look at us as let's say. Parce que nous prônons avoir un grand Dieu. They look at us as a miserable, yet qui détient l'or et l'argent. We proclaiming a great God. Mais quand ils regardent des vies, but when we look at the lives, parfois elles n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Sometimes they have nothing to do with what is written. Sous la base des promesses. Based on the promises. Le constat est le suivant. This is the notice. Le ciel se gagne en acceptant Jésus-Christ. We win the heaven by having Jesus. Il n'y a pas d'autre chemin. There is no other way. Mais ceux qui ont gagné le ciel, but those who won the heaven, doivent maintenant apprendre à connaître les lois universelles que Dieu a établies pour tout le monde dans le but d'avoir accès au règne ou à la domination. Must know the universal law God has established to have the reign and dominion. Et l'une de ces lois par excellence, je dirais que la plus grande d'ailleurs, one of the most outstanding laws, est liée au principe des autels. Is linked to the principle of altar. Dis amen si tu comprends ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? What is an altar? C'est une porte spirituelle. It's a spiritual door. Favorisant l'accès des esprits sur terre. Allowing us the accesses of spirits on earth. Qu'ils soient démoniaques ou divins. May they be demonic or divine. Nous rappelons quand même que dans les Écritures, dans la Bible, le mot autel a été cité 372 fois. The altar has been mentioned in the Bible 372 times. Il est cité beaucoup plus que la prière. It is mentioned more than prayer. Et le mot and the word, argent, the word money, est cité plus de 2000 fois. Is mentioned more than 2000 times. Lorsque la Bible met une emphase sur un mot plusieurs fois, cela relève l'importance de ce mot dans la vie des hommes. When the Bible put an emphasis on the word, it means that it's important in men's life. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis-lui, abat l'hypocrisie. Look at somebody and tell him away hypocrisy. Ouvre la bouche, dis ce que je dis là. C'est un terme fort, hein? It is a strong term. Dis-lui, là où tu es assis ce matin là. Where you are this morning, you are sitting. Je suis sûr que dans toutes tes prières là, I'm sure that in all your prayers, tu as demandé l'argent à Dieu. You'll ask money to God. Et toi, tu ne voudrais pas qu'on en parle à l'église? And you don't want to talk about it in the church. Parce que ton esprit est formaté autrement. Because your spirit has been made otherwise. Si tu veux être pauvre, c'est ton choix. If you want to be poor, this is your choice. Mais tu ne resteras pas pauvre auprès de moi. But you never remain poor by my side. Parce que tu seras un sorcier. Because you'll be a sorcerer. La sorcellerie est dans le camp de la pauvreté. Witchcraft is at the camp. Ceux qui ont un peu là, ils font une autre forme de sorcellerie qu'ils appellent la magie. Those who have money has another way of witchcraft called magic. Et puis regardez comment ils sont. Parfois même, ils font des choses bizarres parce qu'ils veulent pas dire sorcellerie, des sciences occultes. Sometimes they use another term as occult science. Ou ils rendent ça beau, ou bien la magie blanche. White magic. Amen.
Le principe des autels est donc établi comme étant, n'est-ce pas, le principe par lequel une civilisation existe. The principle is of altar is meant as a principle by which a civilization exists. Lisez les Écritures et vous trouverez que toutes les civilisations ont débuté par le principe des autels et ont été gérées spirituellement par des autels. Read the Bible, you notice that all the civilization has started by altar and have been managed by altar. Les nations sont gérées par des autels. Nations are managed by altar. Les familles sont gérées par des autels. Families are managed by altars. Et les vies sont gérés par des autels. And lives are managed by altars. L'autel qui devient un lieu de décision, the altar becoming a place of decision, d'adoration, of worshiping, de signature et de conclusion des alliances, of signature and conclusion of covenants. Il devient un centre de concentration des anges ou des démons. It became a concentration center of demons or angels. Et c'est par ce seul canal and by only this way que les esprits sont autorisés à agir dans la vie des hommes. The spirits are authorized to act in men's lives. Donc si une autorisation doit se prendre pour régner, if you must take an authorization to reign, elle se prendra sur un autel. It will be taken on an altar. Jamais dans des urnes. Never in the boxes. Je suis souvent étonné. Sometimes I'm astonished. De voir que les chrétiens ont de grandes ambitions. To see that Christians have great ambitions. Mais ne sont jamais prêts à payer le prix de leurs ambitions. But they are never ready to pay the price for the ambition. Parce qu'ils ne croient qu'en la facilité et au fait que tout tombe du ciel. Because they believe in easiness and think that everything comes from the heaven. C'est un drame dans notre génération. It's a real tragedy in our generation. De constater. To notice. Que des gens qui n'ont pas notre Jésus, who don't have our Jesus, qui n'ont pas le ciel, who don't have the heaven, règnent et dominent sur nous. They reign and rule over us. Parce qu'ils ont la capacité de payer le prix de leurs ambitions. Because they have the ability to pay the price for the ambition. Ouvre la bouche et dis à quelqu'un des autorisations. Open your mouth and say to somebody, en ce qui concerne la bénédiction, pas le ciel. Tu les prendras sur un autel. Your authorization according to your blessing will be taken on an altar. Ouvre la bouche et dis ce que je dis là. Tu les prendras. You will take your authorization. Dis tu les prendras. Say you will take them. Dis très fort tu les prendras. Say loudly you will take them. Sur un autel. On an altar. C'est faute de connaissance. Lack of knowledge. Que le peuple périt. That a people is destroyed. Ce n'est pas faute de prière. Not lack of prayer. Bon, je vais encore ouvrir une brèche. I'm going to open a bracket again. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas une promesse. John wants you to prosper, but this prosperity is not a promise. C'est un souhait. It is just a wish. Pour une promesse, tu pries. For a promise, you can pray. Mais pour la prospérité, tu suis des règles. But for the prosperity, you have to follow some rules. Beaucoup de prières, beaucoup d'onction. Many prayer, many anointing. Chasser les démons, la délivrance. Casting out demons and deliverance. Avec la foi, tu guéris les malades et tu as des miracles. With the faith, you heal diseases and you have a miracle. Avec tes prières, with your prayers, tu peux pas avoir l'argent. You cannot have money. Tu peux pas. You cannot. Parce que la prière ne répond pas au principe sur l'argent. Because the prayer doesn't answer the principle of money. Là-bas, c'est un autre principe. Over there, it's another principle. C'est donner l'argent. It is that to give money. Qui te donne l'argent. That to bring you back money. Donc, tu as des gens qui prient pendant 20 ans et qui sont misérables et ils accusent Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Tu as un bon païen quelque part là-bas qui ne prie pas et qui va sacrifier, bâtir des autels sur un autel démoniaque et il devient ton patron. An unbeliever can pray on a demonic altar by sacrificing. Il ravit tes marchés. He strip off your market. Il te laisse sans rien. He leave you without anything. Tout ce que tu as le ciel. All you have is a heaven. Mais sur la terre, but on earth, il te vole tout. He steal everything parce que from tu you. Ne pratiques pas because you don't practice vis-à-vis de ton Dieu according to your God, ce que lui pratique what he practices vis-à-vis de son Dieu. According to his God. C'est un problème. It's a real issue.
On est heureux que lorsqu'on parle de destruction des autels dans la prière. We're happy that when we speak of a destruction of an altar in prayer. Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel qui est à ton père. God said to Gideon, Juge 6, 25. Destroy the altar belonging to your father. Mais après avoir détruit, Dieu lui dit, bâtis un autel à l'Éternel. But after he said, build an altar to the Lord. Pour détruire, il a bâti parce qu'il a pris deux taureaux, un de 7 ans et un autre plus jeune. Il a détruit avec un. Il a bâti avec un autre. Détruire ruine les œuvres des ténèbres. Mais détruire ne t'autorise pas à prospérer. But destroying doesn't allow you to become prosperous. Dis avec moi, détruire avant de bâtir. Say with me, destroy before building. Mais il faut détruire et. But you need to destroy and. Il faut bâtir. And you need to build. J'ai écouté un fils qui m'a dit. I listened to a son who told me. Papa, j'ai obéi à ce que tu m'as dit l'année dernière. Daddy, I obeyed what you said last year. Je l'ai brusqué, je lui ai dit. Le 31 décembre, je veux que tu bâtisses un hôtel de 12 millions. I urge him to build an altar of 12 million. Je l'ai brusqué. Je lui ai dit ça peut-être en décembre. Je lui ai dit, je veux que tu montes à ce niveau-là. I ask him to go to this level, 12 million. Parce que 2024, c'est une autre année pour toi. Because 2024 is another. Mais ce qu'il ne comprenait pas dans les 12, j'étais en train de relever l'alliance de notre église pour agir en sa faveur. Et comme je voyais de nombreux millions venir vers lui, je ne pouvais pas lui demander de bâtir des centaines de mille. I asked him to be this altar because I wanted to put. Je suis sûr qu'il n'a pas compris, mais il a obéi. He didn't understand what I instructed to him, but he obeyed. Aujourd'hui, je te parle. Today, il a acheté 5 véhicules neufs chez le concessionnaire. He has bought 5 brand new cars. Il m'a dit, papa, depuis que je travaille, he said that ever since je n'ai jamais vu ça dans ma vie. I've never experienced it in my life. Après avoir obéi, after obeying, ce que le ciel m'apporte, what the heaven is bringing to me. Je pense que la fin de cette année, je dois doubler. I think that I have to double for this end of year. Mon ami, my friend, mon ami, my friend, j'ai vu quelqu'un le faire. I've seen somebody doing it. Le 31 décembre dernier. Last 31st of December. On bâtit des hôtels pour avoir des autorisations nouvelles pour la nouvelle année. We build altars to have new authorization for the coming year. Dis à quelqu'un, c'est pour avoir de nouvelles autorisations. Say to somebody to have it for to have new authorization. Regarde le dit, c'est pour avoir de nouvelles autorisations. Tell him it's to have new authorization. Quelqu'un l'a fait, il m'a témoigné. Somebody did it and he testified. 3 mois après. Three months later. Un hôtel d'à peu près 18 millions. With an altar of nearly 18 million. Le 31 décembre dernier. Last 31st of December. 3 mois après, tu reçois un présent qui vaut 1,4 milliard. Then later on you receive a gift of 10, let's commensurate of 3 million. Vous pensez que c'est des choses qui arrivent par le hasard? Do you think that there are things that come out of the blue? Regarde ton voisin, dit. Tell your neighbor. Parfois l'avantage des païens, the advantage of unbelievers, c'est qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas Dieu. Is that they are aware that they don't have God. J'ai dit, ouvre ta bouche, tu dis, parfois l'avantage des païens, the advantage for unbelievers, c'est qu'ils sont conscients that they are aware, qu'ils n'ont pas Dieu, that they don't have God, et qu'ils doivent payer des prix pour arriver là où ils veulent. And they have to pay the price for what they are looking for. Et parfois notre conscience de Dieu, and sometimes our conscience of God, oh, tue la conscience, it kills our conscience, de la responsabilité, related to our responsibility. Si vous étiez enfant d'Abraham, if you were Abraham's son, vous feriez, you would have done, les œuvres, the works d'Abraham, of Abraham. La Bible dit, the Bible says, et elle est claire, it is clear, Dieu ne change pas, God never changes, il est le même, he is the same, hier, yesterday, aujourd'hui, today, et éternellement, and forevermore. Sur la terre des hommes, on
earth of man. Le premier homme béni s'appelle Adam. The first blessed man is Adam. Il est mort. He is dead. Après lui, il y a eu Noé. After him, we have Noé. Noé est mort. Noé is dead. Après Noé, l'homme que Dieu a béni sur la terre. After Noé, the man God blessed on her earth s'appelle Abraham. Is Abraham. Touche quelqu'un, dit, il n'y a aucun homme sur la terre qui est béni. Does somebody tell them that no man on earth who is blessed? Bon, je corrige. Il n'y a aucun homme sur la terre que Dieu a béni. No aucun. No man on earth that God blessed. Aucun. None of them. Aucun. None of them. Celui que Dieu a béni. The one God blessed. S'appelle Abraham. Is Abraham. Et Dieu a dit à Abraham. And God said to Abraham. Par toi. Through you. Toutes les familles de la terre. All the families on earth. Seront bénies. Shall be blessed. En d'autres termes. In other terms. Je t'ai béni pour que ta bénédiction coule sur eux. I have blessed you for your blessing to flow toi, over them. Toi, tu n'es pas béni. You are not blessed. Tu as la bénédiction d'Abraham. You have Abraham's blessing. Si tu comprends, tu acclames bien. Faut que tu comprennes les Écritures. Give a clap offering if you understand the scripture. Mais comment? How? Je peux avoir la bénédiction de mon père Abraham? Can I have the blessing of my father Abraham? Si je ne fais pas les œuvres. If I don't do the works. D'Abraham. Of Abraham. C'était le champion qui bâtissait des hôtels, Abraham. He was a champion in altar buildings, Abraham. Vrai ou faux? True or false? Répondez-moi. Answer me. Vrai ou faux? True or false? Et Jésus dit, and Jesus said, s'il est votre père, if he is your father, vous feriez ses œuvres. You'll do his works. Je n'ai pas entendu amen. I didn't hear amen. Quel avantage y a-t-il à bâtir un hôtel à l'Éternel? Pas un hôtel pour détruire les forces du diable. Je dis bâtir un hôtel à l'Éternel. Apocalypse 16, Revelation 16, verset 7. Verse 7. Restez assis et lisez au compte de trois très fort. 1, 2 et 3. Et j'entendis l'autel qui disait. J'ai entendu. I heard. L'autel. The altar. Qui disait. Saying. Qui parlait. That was speaking. Et qui disait quoi? And what was it saying? Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yes, Almighty God. Tes jugements sont véritables et justes. Your judgments are righteous. Comment Dieu juge? How does God judge? La terre. The earth. C'est par la voix d'un autel. It is by the voice of the altar. Tu es dans une affaire compliquée. You are in a difficult situation. Tu veux que Dieu tranche en ta faveur? You want God to plead in your favor? C'est pas juste la prière dans ta bouche. Not the prayer coming from your mouth. C'est l'activation d'un autel. It is the activation of an altar. Qui permet aux anges d'être déployés pour juger. Allowing the angel to come and judge. Comment est-ce qu'on fait parler un autel? How can we make an altar speak? C'est pas des sacrifices. It is by sacrifices. Comment est-ce qu'on fait parler un autel? How can we make altar speak? C'est par des sacrifices. By sacrifices. En fait, ce principe est au-dessus de tout. This principle is above everything. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu même nous sauver. That's why God has not been able to save us. Sans utiliser un autel. Without using an altar. L'autel de la croix. L'univers a été sauvé sur un autel. The universe is a summit on an altar. Et Jésus était le sacrifice sur l'autel. Jesus Christ was a sacrifice on that altar. Pourquoi Dieu n'utilise pas un autre principe? Why doesn't God use another principle? Parce qu'il n'y en a pas qui puisse résoudre ce problème. Because there is no one that can settle that problem. Faut que tu comprennes. You need to understand ce que tu fais. What you do. Nous ne sommes pas dans une église ordinaire. Nous sommes dans une église prophétique. We are not in a common church. We are in a prophetic church. Et nous marchons sur des principes qui sont différents des autres. And we work on principles that are different from others. Nous marchons sur les principes prophétiques. We work on a prophetic principle. Bâtir des hôtels. Building altars. Est essentiel. Is capital pour que Dieu tranche. For God to play. Dieu
Bâtir des hôtels building altars dans cette maison a suffi pour que des stériles enfantent. In this house was enough for Dieu parents a tranché. To give. God has paid in the favor. Bâtir des hôtels building altars dans cette maison a suffi pour que des gens prennent de gros marchés. Was sufficient for people to have big markets. Bâtir des hôtels building altars a suffi pour que des gens se marient. Was sufficient for some to get married. C'est la science de Dieu, la sagesse de Dieu. It's the science of God's wisdom. Donnez-moi, dis avec moi, les jugements. So we made the judgments. Viennent de la voix de l'autel. Come from the voice of the altar. Et c'est le sacrifice. And it is a sacrifice qui donne la voix à l'autel. That gives the voice to the altar. Donne-moi Apocalypse 14. Revelation 14. Je fais exprès pour être dans le dernier livre de la Bible. Pour vous dire que jusqu'à la fin, Dieu en parle. 14, 18. On y va tous, on lit 1, 2 et 3. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte. L'ange sortit d'où? Where did the angel come? 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 Du ciel. Is it from the heaven? L'ange sortit d'où? Where did he come? De l'autel. From the altar. Et qu'est-ce qu'il a fait? And what did he do? L'ange s'adressa d'une voix forte. He cried out à celui qui avait la faucille tranchante. To the one having the sharpened sickle. C'est pas l'ange de la mort, hein? It's not the angel of death. La faucille tranchante. The sharp sickle. Disant, saying, lance ta faucille tranchante. Thrust your sharp sickle. Et vendange les grappes. And gather the grapes. De la vigne de la terre. Or the vine of the earth. Car les raisins de la terre sont mûrs. For the grapes are fully ripe. L'ange sortit de l'autel. The angel who comes from the altar. Donne instruction à un autre ange. Instructed another angel. Il dit, prends ta faucille. He says, take your sickle. Va cueillir les mûres. Go and va cueillir les fruits. Go and et ramène-les. And bring them. Pour la simple et bonne raison. Simply because. Que les fruits sont mûrs. The fruit are ripe. Tu veux avoir des fruits qui soient cueillis par des anges? Do you want to have a fruit taken by people by the angels? Tu dois activer un autel. You need to activate an altar. La moisson, the harvest, est garantie. Is guaranteed par l'ange, by the angel, qui sort coming out de l'autel, of the altar. Pourquoi bâtissons-nous des hôtels le 31 décembre? Why do we build altars the 31st of December? Pour garantir la moisson de l'année à venir. We have to safeguard the harvest of the upcoming year. Écris ça. Take note, write it down. Pour garantir to safeguard la moisson the harvest de l'année of the à venir. Upcoming year. Première raison, first reason, c'était pourquoi? It was for what? Pour que les jugements for the judgment de Dieu, of God, n'est-ce pas, nous précèdent, agissent sur nos ennemis. Come beforehand. Deuxièmement, on our enemies. Second, c'est pour garantir to safeguard la moisson, the harvest. Maintenant, sur ce point-là, j'insiste un peu et puis je vais m'arrêter. Now, I would like to insist on that and stop. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, what Christians don't not understand, c'est que lorsqu'ils reçoivent une promesse, that when they receive a promise, cela les engage. It engages them. Une promesse sur ta vie t'engage. A promise on your life engages you. C'est pourquoi quand tu reçois une prophétie, faut pas juste écouter ce qui te fait plaisir, te fait rire. That's why you don't have to be. Faut demander à Dieu quelle est ma part. Ask God what is your portion in the prophecy you receive. Parce que lui, il est déjà fidèle. Because he's always faithful. Mais il attendra aussi quelque chose de toi. But he is expecting something from you. Vous êtes d'accord avec moi? You agree with me? Répondez-moi, vous êtes d'accord avec moi? You agree with me? Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved.
La récolte, the harvest, la moisson, the outcome, est liée à un ange qui doit sortir de l'autel. Is linked to the angel that shall come out of the altar. Maintenant, lève-toi et va demander à quelqu'un comment faire sortir un ange de l'autel pour toi. Ask somebody how can you make et pas pour les autres. To make an angel out of the altar for you, not for somebody else. Bâtissant des autels. It is only by erecting altars. Déplace-toi et va lui dire. C'est en bâtissant, c'est le principe. The principle is to build altars. C'est le principe. It is a principle. Si tu es d'accord, tu acclames et je vais avancer. C'est deux points. Tu acclames bien et je vais avancer. Alléluia. Amen. Donc, le fait de bâtir un autel, the fact of erecting altars, peut faire qu'un ange va sortir de l'autel. Can cause an angel to come out of an altar. Ça, c'est un ange supérieur. Donner des instructions à un autre. Giving an instruction to another et lui angel. Dit, and say to it, faut aller cueillir. Go and pick. Et faut donner parce que c'est la saison. And deal it out. Donc les gens peuvent season. Passer à côté de leur saison. People can pass by the season. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Simply because they don't understand what they have to do. Et ils s'attendent à Dieu. And they are waiting for God. Qui a déjà payé le prix fort pour les envoyer auprès de lui au ciel. Who are always paid the price to send pour them tout to le heaven. Reste. For the remaining. Mon ami, tu dois te battre. My friend, you must battle. You must fight. Pour tout le reste. For all the remaining. Tu dois te battre. You must fight. Pour tout le reste. For all the remaining. Tu dois. You must. Te battre. You must fight. Ça c'est l'évangile. This is the gospel. Et ça c'est la maturité. And this is maturity. Regardez. Look. Regardez comment David. Look. Moi j'aime beaucoup David. I really love David. Bon, il a dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. He said that he is a man according to God's heart. On parle de son cœur. On ne parle pas de ses actes. Not about his actions. Il avait un cœur qui revenait constamment à l'Éternel. He had a heart that always come to the Lord. Mais David. But David. Lorsque il devait mourir, c'est le seul roi de la Bible que j'ai vu établir son fils de son vivant avant de mourir. He's the only king I saw establishing his son. Quand même, qu'il y a un deuxième roi, faut que le premier soit parti. David est il est vieux, il sent que la mort arrive. He was old and was about to die. Il dit, je vais établir Salomon. He said, I'm going to establish Solomon. Vous savez ce qui se passe? You know what happened? Il a un autre fils là-bas qui dit non. He has another son who said no. Je suis aussi le fils du roi. I am also the son of il s'appelle king. Adonijah. His name is Adonijah. Il dit non. He said no. C'est lui Adonijah qui doit régner. Then Adonijah has to reign. Je vais te choquer en te disant ceci. I'm going to shock you saying this. Tous ceux qui règnent sur la terre, all those who reign on earth, ne règnent pas forcément par la décision de Dieu. Don't reign forcefully by God's decision. Ils règnent. They reign par le principe des autels. By the principle of altars. Que Dieu a établi et auquel Dieu lui-même est soumis. That God has established and to which he submitted himself. Il faut sortir de l'enfantillage là. Come from childish things. Adonijah said, je vais renverser la décision de mon père. I'll overthrow the decision of my father. Il prend des sacrificateurs, Abiathar. He takes some priests, Abiathar. Et il va se faire établir. La Bible dit. Il bâtit des hôtels. The Bible says he built et il invite tous ses frères pour dire venez manger. And quand ils finissent, on dit voici le nouveau roi. He invite all his friends and brothers to eat and we say here is the new king. Il a pris l'autorisation de régner non pas avec son père mais sur un hôtel. He had the authorization to reign not du vivant de son père. When his father was alive.
David dit non, je suis en danger. David said no, I am in danger. Faut que je fasse quelque chose. I need to do something. Je vais pas attendre de mourir. I cannot wait till my death. Je vais établir Salomon. I'm going to establish Solomon. Il appelle les sacrificateurs. He calls some priests. Il court, il dit allez à Gabaon. He said go to Gabaon. Là où il y a le plus grand autel d'Israël. Where we have the greatest altar of Israel. David prend 1000 taureaux. He take 1,000. Il dit tuer. Bull. He said donnez à mon Dieu. Give it to my God. Quand ils font ça, after this action, la royauté qui était sur un trône, the kingship that was on the throne, qui a été pris sur un autel, that was taken on an altar, quitte l'autel, leaves the altar, et revient sur l'autel que David a établi. And come back on the altar that David erected. David était conscient qu'il était roi. David was conscious that he was mais the sa king, décision ne suffisait pas but his decision was not pour établir Salomon, to establish Solomon. Parce qu'un autel avait parlé et la voix était au-dessus de sa voix en tant que roi. Because a voice on the altar spoke and was above his voice as a king. Salomon est le seul homme de la Bible. Solomon is the only roi, one person of the Bible as a king. Qui a régné et qui n'a eu aucune guerre. Who reigned without any war. C'est-à-dire tout son règne durant, personne s'est levé pour dire je te combats, je t'arrête, je te détruis. Perse, c'est le seul roi de la Bible. He's the only one who had no war during his reign. Regarde quelqu'un, tu dis, tu penses que c'est parce que Dieu l'aime plus que les autres? There's someone who think that because God loves him more than other people. Touche le dit, ce n'est pas ça. Not because God loves him more than others. Avant que le monsieur là vienne s'asseoir, before he was seated, son père a offert à son Dieu 1000 taureaux. His father offered to his God the 100 bulls. 1000, c'est l'infini. 1000 is an infinite number. Le taureau, c'est le symbole du combat dans la Bible. The bull is a symbol of the battle. Taureau ou buffle, c'est le symbole du combat. The bull or the battle is a symbol of a war. Quand David offre 1000 taureaux. When he offered 1000 the bull. Bon, ça c'est un sacrifice entre 300 millions et 3 milliards selon la qualité du taureau. Between 300 million and a billion. Pour que son fils puisse s'asseoir sur le fauteuil royal. For his son to be able to be seated on the royal throne. Quand il fait ça, when he did it, il livre bataille à l'infini. He's waging war pour le règne de son fils avant que son fils ne puisse s'asseoir. Countlessly for his son before he got sick. C'est une science. It's just a science. Quand il le fait asseoir, when he make it, quand quelqu'un veut se lever contre Salomon, when somebody want to rise against l'autel him, dit, the altar says, la bataille a été livrée à l'infini. The battle was waged. Celui-ci, tu ne peux pas le combattre. You cannot fight that one. Rentre là où tu étais. Go back where you're coming from. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent spirituellement? You don't understand how things work spiritually. Le trône ne se prend pas dans des urnes. We don't take the throne in the pool. La direction générale ne se prend pas dans les urnes. The head management is not, we don't take it le in the poste pool. Ministériel ne se prend pas dans les urnes. The ministerial position is not taken in the pool. Il n'y a que ceux qui sont en bas qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas monter, donc qui ne veulent pas apprendre ces règles. Only those who have a level, lower position don't know and don't want to learn it at all. Mon ami, my friend, David a fait ça pour son fils. David did it for his son. Livrer les batailles à l'infini avant de s'asseoir. Waging war countlessly before sitting. Après, il offre encore 1000 infinis. Bélier, c'est le règne. Later il prend, on he offered, il le fait asseoir. Countless ram dans un règne infini. In an infinite reign. Ce jour-là, il a offert des milliards à son Dieu pour asseoir la royauté de son fils. That day he offered billion to God. Tout le peuple était choqué. Dieu n'avait jamais vu ça. All everybody was shocked because God has never seen it. Regardez comment Salomon a prospéré. Look how Solomon became comme aucun autre roi sur la terre. No other king on earth. Il y avait un autel qui parlait pour lui. Because there was an altar speaking in his favor. Il y a un ange qui sortait de là. There was an angel coming out from there. Et qui envoyait des jugements. And sending judgment. Il y a un ange qui sortait de là. There was an angel coming et qui out moissonnait there, la richesse. And a harvest wealth. L'acquisition est spirituelle. Acquisition is spiritual. Avant d'être manifeste physiquement. Before being physically manifest. Si tu n'es pas capable de payer le prix. If you're not able to pay the price. Tu n'es pas qualifié pour vivre dans les hauteurs. You're not qualified to live in a même higher pour avoir l'onction. Even to have the anointing. Il y a un prix à payer. There is a price to pay.
Tu sais ce que c'est? Do you know what it is? Le jeûne, fasting, la prière, prayer, la consécration, consecration, et la sanctification. And sanctification. C'est un prix. It is a price. Quand les gens ne comprennent pas, when people don't understand, ils pensent que c'est des moyens d'escroquer les gens. They think that they are just means to scam people. Moi, je veux te dire ceci. I would like to tell you this. Que tu crois ou pas, may you believe or not, tu es victime soit de ta croyance, you are victim either of your belief, soit de ton incroyance, or your unbelief. Regarde ton frère, dit les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Look at your brother and tell him, what do Muslims have more than you? Dis, ils ont les sacrifices. Tell him they have sacrifices. Ouvre la bouche, dis, ils ont les sacrifices. Open your mouth, say they have sacrifices. Les juifs, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? What Jews have more than you? Dis, ils ont les sacrifices. Say they have the sacrifices. Ils ont la prospérité terrestre. They have earthly prosperity. Nous, nous avons le salut. We have salvation. Et la misère sur terre. And misery on earth. La vie est un choix. Life is a choice. Maman dit amen. Amen. La vie est un choix. Life is a choice. La misère défigure. Misery. Quand vous voyez quelqu'un qui critique trop, c'est parce qu'il est pauvre. When you see somebody who criticizes too much, it means that he's a poor person. Il n'est pas occupé. He has nothing to do. Il est pauvre. He is poor. Misérable. Miserable. Donc c'est une occupation qu'il se donne. It is an occupation that he has. La tempête s'élèvera. The tempest shall rise. C'est établi. It has been established. Mais, but, tous ceux qui sont dans la barque, all those who are on the boat, arriveront à l'autre rive, sur l'autre rive. Will reach the other side. J'ai envie de te dire, I would like to tell you, quand Jésus allait à Gadara, when Jesus was going to Gadara, où il y avait le fou là, where the madman was, le vent s'est levé, the wind rose, la tempête s'est levée, also the storm. Dis à quelqu'un, aucune tempête ne peut se lever sur toi si elle n'est pas activée par un autel. Tell somebody that may be no tempest over you if it's not activated by an altar. Dis, tu peux pas être célibataire endurci. So you cannot be a single. S'il n'y a pas un hôtel qui parle contre if toi. If there is not an altar speaking against you. Tu peux pas être dans une misère chronique. You cannot be in a serious misery. S'il n'y a pas, c'est pas affaire d'homme. S'il n'y a pas, ça veut dire les gens ont sacrifié contre toi. They have sacrificed against you. S'il n'y a pas un hôtel qui parle contre toi. If there is no altar speaking against you. Mais vous savez quoi? But you know what? Jésus est dans la barque. Jesus is on board. Les disciples sont dans la barque. These disciples are on board. Ils dorment. They are sleeping. Ça c'est la présence de Dieu. This is the presence of God. On nous enseigne dans toutes nos églises la présence de Dieu. We teach us the presence of God in all the churches. Elle est essentielle. It is essential. Mais la présence de Dieu, but the presence of God, n'est pas la main de Dieu. Is not the hands of God. La présence de Dieu, the presence of God, est dans la barque. Is on the boat. Les disciples sont dans la barque. The disciples are on the boat. Le vent se lève. The wind rises. La présence de Dieu n'empêche pas un vent de se lever. The presence of God cannot prevent a wind to arise. La présence de Dieu n'empêche pas une tempête. D'ailleurs, tu as sa présence en toi, mais tu es chicoté à gauche et à droite. You even have the presence of God in you, but you have troubles here and there. La présence de Dieu ne bloque pas. The presence of God doesn't stop. Un cyclone. A cyclone. Elle ne fait qu'une chose. It does only one thing. Elle te rassure. It just assures you. D'où venait cette tempête? Where was this tempest from? Elle venait de là où Jésus allait. It was coming from where Jesus was heading. Tes combats viennent. Your battle comes. De l'endroit où tu vas. From where you are heading. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, je répète. D'où venait cette tempête? Where was this tempest from? Elle venait. It was coming. De Gadara. From Gadara. Parce que Jésus était en train d'aller sur l'autre rive. Because Jesus was going to c'est là-bas qu'il y avait Gadara. Gadara was there. À Gadara, il y avait un fou.
There was a madman qui avait Gadara, plus de 6000 démons en lui, who had more than 6,000 demons, qui devait être délivré. Who should be delivered? Les démons ont vu the demon saw Jésus qui arrive, Jesus coming, les disciples qui arrivent. Disciples ils disent, si on ne l'arrête pas, if we don't stop him, et qu'il arrive sur notre territoire, then they get to our territory, ils sont foutus. They donc ils parlent à leurs amis qui sont dans la mer. Who are in the sea. Ils parlent à leurs amis friend, qui sont dans les vents. Who are in the wind. Et ils leur disent, arrêtez cette barque, arrêtez-moi ces gars-là, détruisez-moi ces gars-là, ne les laissez plus avancer, ils vont nous faire du mal, ils vont arrêter nos œuvres, ils vont ruiner notre pouvoir, arrêtez-les. Stop them. Jésus est dans la barque. Jesus is on a boat. Présence de Dieu. The presence of God. Il dort. He is sleeping. Pierre et les autres disent, les gars, Peter and the others say, nous on est en train de voir la mort. We are experiencing death. Notre type là, our man, il est couché ici, il dort. He is sleeping. Si on ne le réveille pas, if you don't wake him up, on est foutu. It's over for us. Réveillons-le. Let's wake him up. Alors eux tous, then all of them, ils vont le taper. They hit him. Ils vont crier son nom. They shout out his name. Ils vont le réveiller. They wake him up. Ils vont réveiller qui? Who are they going to wake up? Ils vont réveiller qui? Who are they going to wake up? Jésus. Jesus. Mais Jésus, but Jesus constituait was pour eux for them, l'autel, the altar, sur lequel on which les anges montent the angel et descendent. And descend. Il a dit, et vous verrez de nouveau les anges montent the angel et descendent descend pour servir le Fils de l'homme. To serve the Son of Man. Alors, then, l'autel est réveillé. The altar was awakened. Il y a un autel qui a été activé à Gadara. There is an altar activated in qui dit, tuez-les. That's a kill them. Il se lève. He arose. Il lève la main. He lift up the hand. Et il dit, and he says, silence. Silence. Tais-toi. Keep quiet. À partir du moment où il parle, from when I speak, la tempête s'arrête. La mer se calme. The sea stopped. Le Dieu qui était dans la barque, that was on the boat, qui était présent, that was present, quand il y avait la catastrophe, when there was a catastrophe, s'est levé et a parlé. Arose and spoke. Les hôtels réveillent Jésus-Christ. Les hôtels établissent la main de Dieu. Les hôtels arrêtent des tempêtes. Arrête les catastrophes. Catastrophe. Arrête la mort. Step ceux qui apprennent à les activer. Don't learn how to activate them. Non pas que la présence de Dieu. Don't only have the presence of God. Ils activent la main de Dieu. They activate the hand of God. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Give a clap offering if you will it. Ma vie m'est trop précieuse. My life is so precious for me. Pour que je puisse prêcher des fables. For me to preach the fairy tales. J'ai commencé à prêcher l'évangile. I started preaching the gospel. Vraiment, 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 vraiment. Really. À 19 ans. At 19 years old. J'ai commencé avant ça. J'ai commencé à prêcher avant 10 ans. I j'ai commencé à prêcher vers 7-8 ans. Around 7 or 8 years old. Mais j'ai fait la prédication comme un travail à partir de 19 ans. But I made it as a work, as an occupation from 19 years old. C'est-à-dire, ma vie m'est tellement importante. My life is so important for me. Que je ne peux pas prêcher des fables. That I cannot preach fairy tales. Sachant. Knowing that. Que je rendrai compte. I will be accountable. Au Père des Esprits, to the Father of Spirits, lorsque mon esprit retournera vers lui, when my spirit will return to him, je ne t'enseigne pas des fables. I'm not teaching a fairy tale. Je t'enseigne ce que je pratique. I'm teaching what I practice. Qui a fait de moi ce que je suis. That make me what I am. Tous les vents se lèvent, mais je suis imbattable et indestructible. I am unchallengeable and indestructible. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en you train de dire. You don't understand what I'm saying. Cette force ne vient pas de mes muscles. This strength are not from my muscles. Elle ne vient pas seulement des prières. Not from my prayers. Elle vient aussi des actions de grâce. Also coming from elle vient aussi des offrandes. Also from elle offering. Vient aussi du principe des hôtels. From principle j'ai of envie offer. De te dire say, que si tu comprends cela, if you understand tes ennemis seront jugés. Your enemy will be judged. Si tu comprends cela, if you understand tu vas moissonner ce que tu dois avoir. Ça va arriver au nom de Jésus parce que tu auras compris comment ça fonctionne. It will happen in the name of Jesus because you have understood how it works.
L'ange sort pas de l'autel parce que tu es devant l'autel. The angel doesn't come out. L'ange sort de l'autel parce que tu as déposé sur l'autel. The angel comes out of the altar because you have dropped something on the altar. Qui comprend ça? Who is getting this? Regardez dans vos administrations, vous travaillez. Look at in your administration. Vos patrons, ils sont nés de nouveau. Your boss is born again. Donc toi, tu es fait pour avoir des miettes. That you made to have just little things. Avec le nom de Jésus. With the name of Jesus. Moi, je refuse ça. I refuse it. Je refuse de vivre une vie médiocre. I refuse to live a life of mediocrity. Je refuse d'être à terre. I refuse to be down on the ground. Mais je dois être prêt. But I must be ready à payer le prix qui va avec. To pay the price going with. Un hôtel, c'est pas une offrande. Souvent, j'entends des gens, papa, vraiment, j'ai bâti des hôtels. J'ai bâti des hôtels. Je n'ai pas vu. J'ai commencé avec toi à la maternelle. An altar is not an offering. Est-ce que 10 000 francs peut être un hôtel? Can 10,000 be an altar? Donc, je n'entends pas. Est-ce que ça peut être un hôtel? C'est une offrande. Can it be an altar? No, it is an offering. À chaque fois que tu liras, each time that you bind, pour qu'Abraham devienne le père de la bénédiction de tout le monde, ma fille, to become the blessing of everybody, tu sais ce qu'il a sacrifié? You know what he sacrificed? Isaac. Isaac. C'est un sacrifice qui te tue. It's a sacrifice et ça te fait tellement mal. It really pain you. Vous comprenez ça? You understand it? Quand il finit ça, Dieu dit je jure, je jure, je jure. Dieu dit je jure God par said, moi-même. I swore by my name. Mais pourquoi Dieu le teste jusqu'à ce niveau-là? Why God try him to this level? C'est pas suffisant de dire je crois. It's not enough to say I believe. Dis à quelqu'un, say to someone, ne crois jamais aux gens qui te parlent. Never believe to people who speak to you. Et qui ne sont pas capables and who are not able de te faire un présent. To give you a present. Ouvre la bouche. Dis ce que je dis là. Ne crois jamais en leurs paroles. Ne crois jamais. Never believe in the word. Ils sont hypocrites. They are hypocrites. Ils te mentent. They are lying. L'expression de l'amour, c'est pas le dire, c'est le don. The expression of love is not just the fact of voicing, but it's the fact of giving. L'expression de l'amour, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais. The expression of love is not what I say, but quelqu'un what qui t'a jamais donné, t'a jamais aimé. Somebody who has never given to you has never loved you. Qu'est-ce qui ne marche pas? What is not working? Va prendre des autorisations. Go and take authorizations. Parfois, sometimes, tu peux travailler sur 5 ans you can work over 5 years sur un seul sujet de prière on only one prayer topic. Et puis Dieu agit au bout and God acts parce que tu as cumulé la force nécessaire pour écraser la situation. Because you have piled up the necessary strength for to crush the situation. Si Dieu m'attend sur le chiffre 50 et que moi je fonctionne au chiffre 20, if God is expecting me at the number 50 and I'm down, il attendra jusqu'à ce que je monte à ce niveau-là pour que la situation soit inversée. He will wait for me to reach that level to overturn the situation. Le spirituel n'est pas sentimental. The spiritual is not sentimental. Le spirituel a des règles. The spiritual has some rules. Que Dieu vous bénisse. God bless you.